Alors voilà, nous avons vu maintenant les deux plus grosses boîtes qui composent les produits Solomon Kane. Nous allons maintenant passer à la dernière partie de cette présentation du matin, qui est une boîte d'aventure un peu plus petite, un peu plus modeste, mais qui contient tous les éléments pour mener une campagne dans l'univers de Solomon Kane. À tout de suite. Alors voilà, on se retrouve devant la boîte d'aventure La main droite du destin, qui est la boîte d'extension qui nécessite, elle, l'utilisation des boîtes de base. Au moins la boîte de base, les autres aussi, parce qu'il y a les figurines dans la boîte 2. Alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a le livret d'aventure, comme vous avez pu les voir dans la boîte de base, hein, qui dispose, on va passer très vite, pour pas que vous en voyez trop, vous avez la mise en place, les règles spéciales, le plateau, les figurines qui interagissent et les cartes découvertes qui sont utilisées. Cartes découvertes qui sont contenues de la boîte, voilà, s'il manque pas quelque chose, cartes découvertes qui sont de ce paquet, comme vous avez pu voir, il y en a plusieurs aussi dans la boîte de base. En fonction de comment vous agissez, vous allez décider ce que vous décidez de faire et ça va vous entraîner comme un système d'escape game. Ça va vous entraîner dans différentes évolutions de votre scénario qui n'est jamais le même. Et s'il nécessite des figurines particulières, la boîte d'aventure vous le propose ici. Ici, la main droite du destin, je pense que c'est elle. Voilà. Ah, toujours en plastique thermoformé. On reste dans le solide. Et le polluant. Alors là, je vous ai montré les trois boîtes. Il y a aussi des goodies qui sont fournis. Le Kickstarter fournissait aussi les sleeves, un magnifique tapis, mais vraiment très 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 beau. Un tapis de jeu, des posters, des bon, enfin, énormément de petits accessoires qui sont plus ou moins utiles, mais qui font toujours plaisir quand on les reçoit. Voilà. Alors voilà, j'espère que toute cette longue vidéo vous a plu. Vous avez découvert un peu plus en avant le Solomon Kane, qui sortira aussi probablement en boutique. Hein, donc si vous n'avez pas participé, il est peut-être probable qu'il aura encore un pledge plus tard, on ne sait pas. Et la sortie en boutique sera peut-être plus modeste en matériel, mais vous pourrez quand même rattraper votre oubli. Alors, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et n'hésitez pas à la partager avec vos amis et à vous abonner à Guerre et Plomb TV. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.